Alors, donc, dites-moi, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même essayer de discuter avec Félix ? Je ne peux pas discuter avec un criminel. Aujourd'hui, tu sais que l'île est trahi les Congos. On est là, parce que le Congo, il n'y a pas d'État là-bas. Aujourd'hui, nous sommes dans l'occupation rwandaise. Félix, il connaît ça. J'ai fait combat avec Félix ici. Aujourd'hui, Félix déroule 85 millions de Congolais. C'est ça, je donne Félix. La communauté internationale au témoin. J'ai donné toutes les diasporas congolaises. Donné. Félix est sur l'ultimatum. 10 jours à 15 jours, il doit quitter le pouvoir là. Il doit quitter très vite la Belgique. Nous sommes de l'histoire avec Congo, avec la Belgique. Vous connaissez l'histoire. On ne peut pas. C'était Martin Fayulu. Il a gagné l'élection à 62%. Félix, il est sorti à 15%. Il a négocié le pouvoir pour laisser Arido, Hippolyte, Kaname, Rwandais, tout. Est-ce qu'au Congo, quelqu'un lève de. Vous voulez que Kabila quitte, c'est ça? Voilà. Il est criminel. Kaname, le vrai nom de lui, c'est Arido Hippolyte Kaname, il est Rwandais tout. Moi, je ne connais pas le nom là. Je te dis la vérité. Il quitte notre pays. Il a tué plus de 12 millions de morts. Vous connaissez les massacres à Kassai, Yumbi, partout. Aujourd'hui, Fayulu, il a gagné l'élection. Félix, il a négocié le pouvoir pour soutenir le Parlement dans la main de Kabila, le Sénat dans la main de Kabila. Les gouverneurs dans les mains de Kabila, l'impérium du Congo dans les mains de Kabila. Nous les Congolais, on ne peut pas accepter. Vous avez bien connu Félix ? Oh, c'est mon ami. On a fait les marches ici en Belgique avec lui. Il m'a dit que M. Boketou Premier, on doit chasser M. Kaname au pouvoir. Mais aujourd'hui, il est négocié. Comme il est roulé le peuple congolais, il est trahi les diasporas congolais. Vous êtes déçu par Félix? Oui. Très, 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 très déçu, même millième fois. Ouais. Vous irez le rencontrer demain? Non, non, je dois chasser Félix avec Kaname au pouvoir. Parce que vous connaissez l'histoire de la Belgique avec la France. Occupation allemande, les Belges, ils ont pris les armes pour chasser les Allemands. C'est ça, nous, on doit chasser Kaname avec Félix et Tchilo. Vous êtes écouté ici dans la diaspora? Très populaire. Écoutez, aimer et surtout chouchou de diaspora. Et t'as qu'à t'y s'engager. Ok, tu vois. Merci.